Mrs. Chirac, escorted by the President of the United States and Mrs. Reagan. Brave challenges together as we seek to ensure a safer world and a more prosperous future, one in which our peoples and those of other nations can live in stability, our alliance strong and bold, and we both believe that today it is the forces of freedom that are on the march. You have a very busy day ahead of you, and Madame Chirac, and with your colleagues. Once again, we offer you Madame Chirac, our warmest welcome, and on behalf of all Americans. Vous, parmi vos amis américains de pensée, à la maison blanche. Permettez-moi aussi de vous remercier, Monsieur le Président, de votre aide à votre pays. Vous avez travaillé il y a une trentaine d'années, hélas, comme jeune étudiant français, découvrant le nouveau monde. Je veux de fraternité, d'affection qu'éprouve à son égard le peuple de France, et qui sont, Monsieur le Président, aussi les sentiments que le peuple français éprouve à votre égard et à celui de Mme Reagan. Oui. Les moments de leur histoire que vous avez évoqués, Monsieur le Président.
Vous êtes venu vous-même il y a trois ans commémorer le débarquement des troupes alliées sur le sol de l'État américain, tombé pour la libération de la France et de l'Europe. Vous avez célébré l'année dernière et aussi de la réalité américaine. Cette année, 70 ans, presque jour pour jour, après l'entrée des États-Unis aux côtés de la France et des Alliés dans la Première Guerre mondiale, je rends hommage à tous les boys tombés sur le sol de ma patrie pour la défense contre toutes les hégémonies en 1917 comme en 1944. En venant aux États-Unis, je viens vous dire aujourd'hui, du fond du cœur, merci. America. With all my heart, thank you, America. France has not forgotten. France remembers. Mais, Monsieur le Président, je sais, par la même volonté de faire face aux dangers auxquels nous sommes solidairement confrontés, le terrorisme, devant tant d'épreuves, devant tant de menaces, nous sommes résolus, vous comme nous, à continuer à nous battre et à affirmer la valeur de nos idéaux. Tous les grands combats nous sont communs. Aujourd'hui, dans la confiance, dans la coopération, dans la libre concurrence, we have to work together to face the challenge of the future. Lights, please. Thank you. Exit to the open door, please. C'est d'accord.
We said food. Question for you. Do you know? It's the new to our access. It's already working. Yeah, right. Oh, here, right there.